Ouais, salut mes gars sûrs. Donc là on se retrouve, on est un peu entre des champs, dans des haies et un peu de forêt là. Donc on s'est chauffé avec Dorian là et c'est parti, on fait des cabanes. Donc voilà. Jour 1, on se chauffe pour faire la cabane. Regardez le petit Dorian là-bas. Hop. Oh il défonce tout avec une scie. Non rien. Et du coup moi je crois que je vais me chauffer, je vais la faire là, je sais pas si vous vous rendez compte, bon c'est dans la haie en fait. Et comme ça voilà, entre ces différents arbres, comme ça on pourra tirer dans ces arbres aussi. Et Dorian lui il a fait plus dans la forêt là-bas, enfin, c'est pas vraiment une forêt, c'est un petit bosquet au milieu de champs, je vais vous montrer ce que ça donne là-bas. Donc là aujourd'hui on n'a pas pris beaucoup d'outils parce qu'en fait on s'est chauffé, il est 18h30 et bon il fait nuit à 19h donc enfin on va pas pouvoir rester trop longtemps. Et voilà, du coup, je vais vous faire des vidéos genre jour 1, jour 2, jour 3. Ça sera pas forcément quand on vient demain, mais jour 2 de construction, jour 3 de construction en fonction des jours qu'on vient de passer à la cabane. Regardez, lui il va la faire dans ce petit bosquet, et moi du coup là-bas dans la haie. Et comme ça, on pourra venir chasser un peu et voir ce que ça donne. Donc, bah, vas-y, je vais défoncer mon endroit moi, histoire de faire un peu de place, et puis voilà. Ouais! Ouais! Bon, je vais pas me laisser emmerder par cette branche morte là qui pend. Je vais tenter de la casser. Après, sans la faire tomber sur le vélo, comment je pourrais la casser? Vas-y, je vais la jeter fort vers là-bas. Ah, je me suis niqué la main, mais je vais pas casser. Oh, putain. Oh putain, je vais me suspendre. Oh. Ouais, ça va. Ah ouais. Une branche morte à 10. Bon, en fait, je viens de me rendre compte, ma zone est juste là, qu'il y a un putain de bois mort qui va là-bas. En plus, je le sais parce qu'une fois, j'étais grimpé en haut de ce bois mort, fallait me tuer pour récupérer un oiseau. Bon, du coup, je vais avec des gommes. Bon, ça y est, je suis venu à bout de cette branche. Il manque maintenant la deuxième. Moi, bon, je commençais à l'entailler ici, mais vu que le poids il appuie, tu vois, là j'ai fait une fente. Et go, je vais essayer de le dégommer. Attendez, je vais lui mettre un chasseur direct avec la scie à la main pour plus de sécurité. De pute. Oh, dommage. Bah cette fois-ci c'est la bonne je pense. Tenter le chassé du siècle. Putain. Ah c'est bon, il est détaché. Bon voilà. On a plus qu'à aller sortir de là. Bon courage, merci. Non. C'est bon, j'ai gagné. C'est bon. L'arbre qui faisait chier, mais c'est bon, il n'y est plus. Bon, plus de boulettes accroches sur mon t-shirt, je crois que tu peux pas. Oh, mon ras. Regardez-moi tout ça. Pas fini de les enlever. Donc voilà. C'est de suite plus clair, tu vois, je vais la faire entre eux. Aïe, je marche sur son vélo. Je vais marcher sur ton vélo, Dorian. Entre cet arbre-là et cet arbre-là. Et du coup, je vais couper cette petite merdouille là. Mais je vais le couper. Et puis voilà. Bon. Bonne nouvelle. Daniel a gagné. Du coup, allez, hop. On envoie ça là-bas. Bien vu, Daniel. Donc voilà, bon, j'ai tout débroussaillé à l'ancienne. Donc comme vous pouvez le voir entre les deux arbres là, on y voit déjà un peu plus clair. Hop. Voilà ce que ça donne de ce côté. Voilà, du coup la cabane sera de l'arbre gauche à l'arbre droite et je mettrai un piquet vers devant je pense. Bon, il y a quelques branches à faire tomber, alors regardez, ça va être très inquiétante. Bon ben voilà, fin du premier jour les gars. Moi bon, j'ai pas filmé la construction de Dorian parce que du coup là c'était dans la forêt et déjà qu'on voit pas grand chose. Donc là ben on se taille et on viendra demain pour le jour 2, ou peut-être pas demain ou si demain. Bah allez, à bientôt dans la prochaine vidéo.